Les voilà, Bashi, ils sont en place. C'est un premier BO7, potentiellement le dernier. Potentiellement pas le dernier, ça dépend d'Energy s'ils parviennent à remporter ce BO. C'est parti, il y a 24 000 dollars en jeu dans cette finale. 15 000 pour le vainqueur, 9 000 pardon, pour le perdant. Et le coup d'envoi est donné. Oui, directement sous une attaque de Fireburner qui s'est fait donner un ballon quasiment gratuit par Justin, qui prend de vitesse Violent Panda et Turbo Polsa. Fireburner qui se retrouve avec une cage complètement vide. K-Dop n'a pas eu le temps de revenir depuis l'engagement. Pour l'instant, c'est très bien maîtrisé par Energy. Le braquet tricé, je le vois venir. Tout de suite après 5 secondes de jeu, je me dis, bah c'est un bon début pour Energy, évidemment. Je suis en pleine phase de plaisanterie, mesdames et messieurs, pour cette finale. Je suis excité. Attention, Violent Panda, l'offensive. Bon détournement de la part de Garage K-Dop qui essaie de gêner, mais Garage qui a prolongé son effort. Il va laisser ce ballon à Fireburner derrière lui, qui cherche là au premier poteau. Il trouvera Violent Panda. Garage qui s'envole sur cette balle. Il a réussi à gagner son duel. S'il la retouche, ça peut faire une très jolie passe pour Fireburner. Ça a été dévié par un des défenseurs, K-Dop au duel. Ça vient servir Violent Panda qui va tirer directement dans les cages. Bonne déviation de la part de Garage. Turbo Polsa la passe en retrait pour essayer de trouver K-Dop. Non, il va setup lui-même le dégagement. Peut-être une dernière touche, malheureusement non. Fireburner qui met une balle très dangereuse, il fallait intervenir sur ce ballon. Justin qui la lève. Premier poteau, il y aura Violent Panda. Trouver K-Dop peut-être dans le coin de corner. Il a été battu néanmoins par Justin. Intervention cette fois-ci de Turbo Polsa. Oh, il s'est pris le nez dans la pelouse, je crois, Turbo. Mais K-Dop a pu sortir. Garage va essayer de temporiser au duel face à K-Dop. Le français qui s'impose, il va passer au premier poteau. Le retour de Justin. Fireburner qui va passer à côté de son ballon. Il a eu peur que son opposant la touche. Violent Panda le contre qui est favorable. Fireburner face à K-Dop. Oh, le contre est remporté par Fireburner. Et c'est donc son deuxième but pour Energy. Ouais, là il s'est très bien positionné. Avec ce contrôle de balle, il la lève pour lui-même. Et face à K-Dop qui était un petit peu trop en avance sur ce ballon. Manque de précision pour le coup. Mais non, il n'y a pas de mais. Bien joué Fireburner. 3 minutes 48 et c'est pour l'instant Energy qui a réussi à se donner le break. Fireburner qui repart directement à l'attaque, mais ça a été repoussé par Violent Panda. K-Dop peut-être pour une passe axiale pour Turbo Polsa. Oh, la passe est réussie, mais quel arrêt de la part de Garage. Fireburner qui la repousse. Violent Panda en deux temps pour essayer de faire un centre, ça a été contré par Justin. Pour l'instant c'est K-Dop qui va devoir y retourner. K-Dop dans l'axe, il n'y a personne pour la suivre, ça sera repoussé par Fireburner. Violent Panda qui intercepte au niveau de la ligne médiane, c'est poursuivi par Turbo Polsa. Dans la course de Violent Panda qui essaie de gêner l'intervention de la défense. K-Dop à son tour, mais Justin était placé. La double lame défensive, Garrett Justin qui tient bon du côté d'Energy. Turbo Polsa, le boost au passage, ouh il a raté, petite marche arrière pour reprendre. Et Violent Panda est sur le ballon. Ouh, le très bon compte sur Garrett G, ça pourrait servir K-Dop qui va tirer directement dans les cages. Ça a été arrêté, mais les trois joueurs ont commit. Ce qui va permettre à Turbo Polsa d'avoir tout l'espace nécessaire pour venir réduire légèrement le score. On va revoir ça. Oui. Trois sauts des trois joueurs différents de Energy. Salade. C'est tomate. Et oignon. La recette de Turbo Polsa pour la réduction du score à 2-1. K-Dop face à Fireburner. C'est Violent Panda qui va remettre ce ballon dans l'axe. Turbo Polsa qui arrive lancé. Ouh, ce missile-là qui prenait la direction de la lucarne. K-Dop qui cherche un coéquipier en retrait à l'aide du backboard. Ça ne donnera rien. C'est Justin qui essaie de sortir. Pas de boost pour lui. Il essaye de toucher le petit décalage là. Personne n'avait accompagné. Fireburner qui va tenter de dégager. Ça a été raté par Violent Panda. Il a tiré sur la transversale. Kaji qui essaie d'éloigner temporairement le danger. Mais Turbo Polsa à la réception. Turbo Polsa peut-être encore une fois. Il la met sur le plafond pour essayer de faire une jolie passe. C'est un peu trop long pour Violent Panda, mais il peut continuer de mettre de la pression. Il passe au-dessus de son premier défenseur, mais pas de Kaji. K-Dop, le contrôle de balle, il se fait contrer par Fireburner. C'est Turbo Polsa qui doit la récupérer. Il est face à Justin. Justin qui remporte son duel. Attention, le Violent Panda qui s'est raté. Justin qui a de l'espace, il s'est fait contrer par K-Dop. K-Dop là qui ne pourra pas sortir le ballon. Néanmoins, une bonne pression de la part de Garage et d'Energy de manière générale. Attention là, Justin. Ouh, la frappe de Turbo Polsa qui était tout droit là sur le jeune américain. C'est prolongé par Garage. G. Violent Panda, attention, le contrôle qui peut profiter à Justin. Ouh, Turbo Polsa qui est arrivé par derrière pour empêcher le joueur de marquer. Violent Panda qui va contrôler sa balle tranquillement. Pour l'instant il a du temps ou il a réussi à passer deux joueurs, je ne sais pas trop comment. En tout cas Fireburner va pouvoir la reprendre. Turbo Polsa qui la met dans l'axe. K-Dop qui va y aller. Il a le temps de l'assurer cette frappe. Mais elle n'était pas cadrée. Justin, le dégagement. Violent Panda, la démolition, ça n'empêchera pas Justin de la récupérer. Turbo Polsa qui est à la réception. Il la remet dans l'axe. K-Dop qui a sauté, il a mal anticipé. C'est Fireburner qui va la remettre derrière lui. Kaji vers le backboard, ça a été repoussé par Violent Panda. Fireburner qui va passer à côté, c'est Justin qui essaye de maintenir l'attaque. C'est
Ça a été touché par K-Dop là pour aller décaler de l'autre côté. Turbo Pulsar, le contrôle. Mega Raji parfaitement anticipé sur ce coup. Violent Panda face à Justin. Ils sont présents là, les Nord-Américains. On voit leurs décollages qui sont très rapides. Ils mettent l'intensité nécessaire pour éviter que cette équipe de Dignitas ne développe son jeu. Voilà, Garaji qui est présent, qui a le contre favorable. Turbo Pulsar qui repart de derrière. Ouh, on a failli trouver un relais avec Violent Panda. K-Dop qui va passer à côté de son ballon. Fireburner aussi. Il a été surpris, mais depuis le ceiling, il arrive à faire une passe en retrait. Justin qui l'a remis en direction des cages. Fireburner, la tentative de redirect qui ne passera pas. C'est Violent Panda qui va se jeter au contre. Ce Garaji, K-Dop dans les airs, il va essayer de retrouver son coéquipier néerlandais. La frappe de Violent Panda qui n'est pas cadrée. Turbo Pulsar pour essayer de finir. Et le jeu collectif de Dignitas qui fait encore une fois ses preuves. Ils reviennent à égalité. La passe de K-Dop là pour aller trouver Violent Panda. Combien de nous aurions envoyé. Je me suis perdu là dans mes conjugaisons. Mais voilà, au lieu d'envoyer ce ballon contre le backboard, il va chercher son coéquipier. C'est du classique, on a l'habitude de voir Dignitas développer ce type de jeu. Et l'efficacité n'est plus à prouver de partout. Fireburner qui va devoir dégager ce ballon. Attention, il y a Violent Panda qui l'attendait sur le wall. La passe centrale faite par Violent Panda qui a été bien contrée par Garaji. K-Dop qui va essayer de partir sur cette balle. Il est juste avant son opposant américain. K-Dop encore une fois, il faut continuer. Justin qui le dégage. Turbo Pulsar la frappe, ça manque un peu de force. Ça sera contré par Fireburner. K-Dop face à Garaji. C'est repoussé milieu de terrain. Violent Panda qui va essayer de la temporiser. Pour l'instant, ça repart dans les roues de K-Dop qui s'est un petit peu raté. Fireburner peut dégager. K-Dop là, ça fait plusieurs ratés de sa part. Cette fois-ci, la demi-volée est bien mise pour trouver Turbo Pulsar. Ça peut être le décollage du Suédois et l'intervention de Justin in extremis. Attention, K-Dop, le but est ouvert. Il la met sur le poteau. Une deuxième chance au-dessus de la barre transversale. Le setup est bon. La pression est sur le but d'Energy. On va pouvoir s'en sortir par l'intermédiaire de Fireburner qui envoie ce ballon contre le sol. Et pour cette première game, on a un overtime. C'est Turbo Pulsar qui va à l'engagement. K-Dop qui va essayer de récupérer cette balle. Le petit mind game sur Garaji mais qui ne fonctionnera pas sur Justin. Fireburner qui a tenté de balancer un boulet de canon dans la cage. Violent Panda pour le dégagement. Il passe au-dessus de Fireburner, de Justin. C'était Justin. Garaji le contrôle. Il s'est fait contrer. Attention, Fireburner qui essaie de le remettre sur Garaji. La frappe est cadrée. K-Dop qui va pouvoir l'éloigner. Oui, sereinement. On a eu un petit peu peur. J'ai senti dans ta voix une petite hésitation, mais ça va. K-Dop il maîtrise. Oh, la conduite de balle pour aller trouver Turbo Pulsar. C'est superbe. K-Dop qui a pris son temps un petit peu à l'image du but de Justin pour aller étouffer le PSG dans la game numéro 4 de l'égalisation. K-Dop là qui temporise. Il fixe Fireburner. Il laisse le défenseur se mettre en position inconfortable et il va lui laisser ensuite aucune chance en servant Turbo Pulsar qui arrive lancé dans l'axe. Quel retournement de situation dans cette game de la part de Dignitas. Ils se sont fait un petit peu peur dans cette première game, je pense. Les deux premiers buts, ça doit leur mettre un petit coup. Ah oui, faut qu'on y aille tout de suite, c'est Energy en face. Ils se sont très bien rattrapés. Il y a eu quelques petits ratés, notamment de K-Dop, mais pour la globalité, ils s'en sortent très bien. Ouais, ça a été. Voilà, la mise en route a été un petit peu laborieuse, mais ensuite, ils ont pu mettre en place leur jeu, tout simplement. Beau retour, mené 2-0, il l'emporte 3-2, un river sweep dans cette game. Et une première manche remportée, plus que 3 pour en terminer avec cette compétition. Energy, très certainement, on n'a pas dit son dernier mot. Ils sont. Là, je les ai trouvés encore plus au niveau que dans les games précédentes. Donc, on peut. Oh là là, 8 tirs pour Turbo Pulsar dans la game, 14 au total. On va vous remettre les stats avant qu'on passe. Vous allez le voir. 3 et 3, 8. Ça fait 14. 3, 3 et 8, ça fait 14. Et au niveau des chiffres, c'est mérité. Je crois que le serveur a. Le serveur, c'est bon. Il y va. Il y va. Tout va bien. Les joueurs vont certainement rentrer. On va voir la réaction d'Energy. Ils n'ont pas le choix, Energy. Ils ne peuvent pas laisser un premier BO de marge. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent reset le bracket. Donc il va falloir tout donner maintenant contre cette équipe de Dignitas qui pour l'instant a l'air, je dirais pas au meilleur de sa forme, mais très en forme. Très bien en place. Très bien donc en place, il va falloir doute. Tout donner. Oui, il va falloir être bon comme ils ont su l'être dans les... à 90% de la LAN RLCS il y a un mois. Jour 1 parfait, jour 2 parfait, jour 3 presque parfait pour Energy. Et que se passe-t-il? Est-ce qu'on a un petit souci au niveau du départ? Ah, je crois qu'il manque des joueurs dans le lobby. Ok, ouais, parce que le serveur a eu un petit souci. Donc on va attendre qu'il revienne. Mais voilà, c'est parti. En tout cas, on a de l'intensité dans cette game. On a un match de haut niveau. Quelques petites imprécisions techniques, mais ce n'est que le début. Ça va se mettre en jambes. Sans nul doute qu'Energy va être capable d'aller poser encore plus de difficultés à cette équipe de Dignitas. Ou pas.
pas s'ils sont... Je ne sais pas, avec Dignitas... Pour le coup, ils n'ont pas tremblé du tout. Ça pourrait faire du 4-0 où toutes les games sont serrées, mais Dignitas s'en sort à chaque fois. C'est même souvent le cas avec Dignitas. Ils s'assurent une victoire, mais derrière, c'est pas... Vu qu'ils sont très défensifs, ils prennent pas de risques une fois qu'ils sont devant. Ils ont raison, je pense. Ça ne sert à rien. Après, la meilleure défense, c'est aussi l'attaque, donc... Ces phases de pression pour ne pas laisser l'équipe adverse s'approcher de son but. Ils savent le faire, Dignitas, mais voilà. Une des constantes aujourd'hui, ça a été la défense d'Energy. C'est leur défense qui leur a permis de battre le PSG. C'est leur défense qui a également aidé contre Cloud9. Mais on a eu tellement de phases de pression. Encore une fois, je reviens sur le PSG, mais je suis tellement content de leur prestation aujourd'hui que... Voilà, je ne vois que du positif de ce week-end de Gnarly pour eux. Et mes Energy a été absolument impérial derrière, avec des sauvetages de dernière seconde sur la ligne qui leur ont permis de rester en vie dans le BO et de finir par s'imposer face à l'équipe parisienne. Alors que l'observateur du Northern Arena, il s'impatiente un petit peu. On va revenir sur nos petites bouilles. Coucou, c'est peut-être bientôt la fin de ce gros week-end de Rocket League. C'est le troisième tournoi majeur de l'année. 50 000 $ de cash prize. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. C'est la somme standard, je pense, fixée peut-être par Psyonix pour ces gros tournois. On a vu la DreamHack Leipzig en début d'année, qui était commentée par nos soins, et la victoire du PSG. La LAN RLCS, c'est la compétition officielle, donc là on avait un petit peu plus que 50 000 $ de cash prize. Sur la LAN, on était à 150 000, je crois, avec juste 100 000 $ pour les vainqueurs et 30 000 pour les perdants. Cette finale RLCS entre Dignitas et Energy, c'était le match le plus cher de l'histoire de Rocket League. Aujourd'hui, on est évidemment sur des sommes un petit peu moindres, mais dans le contexte de la scène compétitive de Rocket League, voilà, c'est considéré comme un tournoi majeur en LAN avec des équipes NA, des équipes EU, et ma foi, quelles équipes, mais deux d'entre elles qui se détachent particulièrement. Ça va être compliqué hein, pour les autres d'espérer quelque chose, il va falloir travailler. On a des potentiels, on a Flipside, on a Cloud9, on a même G2, j'ai pas envie de les laisser de côté, on a le PSG, mais il y a quand même... Un petit... Ben, on avait Complexity à la LAN RLCS qui ne sont pas dans cette compétition et qui ne rejoueront pas tous les trois ensemble pour l'instant, étant donné que Metsanoris a annoncé son départ de l'équipe. Remplacé par Grizzly, c'est vrai qu'ils l'ont annoncé dans la foulée. Et même, je dirais qu'à la LAN, ils font une place de top 3, Complexity. Mais ils sont en dessous. Mais ils se font battre par Energy, ils se font presque rouler dessus par Energy. Je sens que Energy, oui, voilà, c'est ça. Contre Dignitas, il y a plus de jeux, il y a plus d'enjeux. Enfin, c'est plus difficile de. On peut pas dire que Dignitas leur ait roulé dessus, mais le match va quand même à la fin bien dans le sens de Dignitas, c'est pas du tout dans le sens de Complexity. Donc je dirais qu'il y a même une marge entre le top 3 et les deux top 2 qui sont vraiment au-dessus. C'est ça. C'est, voilà, on a ces deux équipes-là qui, pour le moment, elles semblent absolument intouchables. Voilà, même si Energy, ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle, encore une fois, ce week-end. Mais au final, la solidité de ce trio qui a suffi pour les emmener là, dans le top 2 de ce tournoi. En tout cas, mener 1-0, on n'a toujours pas... Il nous manque Turbo. Et c'est tout. Il nous manque juste... K-Dub, Valentin. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est toi, ils sont 7. Parce que d'habitude, on est 8 dans le lobby. Donc oui. Moi, je cherche le chiffre 8. Et donc, oui, il manque Turbo, qui a peut-être un souci avec son poste. On va voir si ça va reprendre. Oui, non, ça va pas reprendre tout de suite. Non, Gareth, il fallait pas. Il est rentré dans la game. Il avait pas le temps, Gareth. Aïe, 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 il va nous faire la danse de la foudre, du coup, Gareth. Je pense qu'il va falloir recréer ça. Complexity, parlons-en un petit peu. Donc, l'actualité mercato des RLCS, RLCS et RLRS, vous pouvez le suivre sur rocketbaguette.com de manière générale et sur notre Twitter. Les Complexity, ça a été une surprise pour nous que de les voir se séparer, mais c'est justement parce que l'écart entre Complexity et Galeforce / Dignitas, il s'est creusé entre la LAN saison 4 et la LAN saison 5. La LAN saison 4, je crois que les deux équipes le disent dans les interviews juste avant la finale.
où il parle d'un 50-50 si elles s'affrontent, ce qui n'est plus le cas du tout. Dignitas, avec l'ancien roster de Complexity, large, enfin pas largement au-dessus, mais ils sont au-dessus, ils sont un petit peu au-dessus, ce qui fait la différence. Pour l'instant, Complexity qui change de roster, donc on va voir ce que ça va donner. Crazy Meister est un joueur qui a beaucoup d'expérience, ancien titre de champion du Champion du monde. monde, oui. Donc ça peut donner quelque chose de très bien du côté de Complexity. Et l'explication qu'on peut donner aussi à cette méforme ou à cette régression, entre guillemets, ou tout du moins une progression qui a été moins forte que celle de Dignitas, c'est que à l'intersaison, Complexity, On ils ont les un a petit pas peu vus. disparu de la Mais en circulation. fait, on les a pas Eux vus de toute la qu'on saison, voyait je trouve. beaucoup en tournoi hebdomadaire, qu'on commente souvent sur notre chaîne Rocket Baguette. Si vous découvrez, n'hésitez pas à le petit follow là, le petit bouton qui est là pour nous suivre. Vous pouvez également nous soutenir avec un petit abonnement également, n'hésitez pas. Mais voilà, il y a souvent du Rocket League là, c'est une période d'intersaison, donc il y a un petit peu moins de tournois, mais ça va revenir d'ici début août. On aura tout ce qu'il faut. Alors ils sont en train de revenir dans la game. Turbo Turbo est là. Posta est revenu, mais Et il pas, est il reparti. faut reset par contre. Il faut recréer le lobby. Ou sinon on va attendre les 3 minutes. Le chrono a été lancé, mais tenez, je vais vous mettre le clean feed, regardez ce qu'on a là. Mais voilà, je crois que ça y est, ils ont réalisé qu'il va falloir recréer. Tout ça pour dire que bah oui, Complexity, après leur finale, ils ont fait un petit peu comme toutes les équipes championnes du monde avant Gale Force Dignitas, c'est qu'ils ont arrêté. Ils se sont reposés sur leur laurier. Ils se sont dit, ah, on est finaliste, ça va, on est fort, on n'a plus besoin de travailler. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Et la différence, pourquoi Dignitas a conservé son titre de champion du monde? Parce que ils n'ont pas arrêté K-Dop quelques jours après son titre en novembre dernier. Il était en stream à faire du ranké, à tryhard, à travailler tout simplement, et tous les trois à continuer à jouer. C'est ça, il n'y a pas de secret. Pour rester au top niveau, il faut jouer. C'est un e-sport slash sport comme les autres. Il y a besoin d'entraînement pour rester au plus haut niveau et ne jamais se reposer sur ses acquis, tout simplement. Exactement, oui. Alors, tous les joueurs. Non, il nous en manque un encore. Il nous manque Justin. Il J'ai manque rien dit. Justin. Tous les joueurs sont en train d'arriver. Ça devrait commencer d'ici très peu de temps. La caméra se met en place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On a vu une première game qui était un peu à l'avantage de Dignitas. Enfin, Dignitas qui a mis un peu de temps à se lancer. Mais qu'une fois qu'ils se sont lancés, ils ont fait la différence contre Energy. Maintenant, on va devoir avoir une réaction de la part de Energy car ils n'ont pas le droit de laisser des games à cette équipe de Dignitas. Et justement, ça commence avec Justin. Oh, Et encore une une fois. magnifique récupération, enfin une magnifique passe de Fireburner, je veux dire. C'est extrêmement bien joué. La dernière fois, c'était Justin qui faisait la passe à Fireburner. Cette fois, c'est l'inverse. Il se trouve bien en début de game. Ouais, l'engagement très bien négocié. À l'image du coup d'envoi de la game précédente, Energy qui va prendre l'avantage très rapidement. 1-0, Violent Panda qui va toucher pour mettre ce ballon contre le backboard des Energy. Dégagement de Justin. Ou oh, attention, K-Dop qui a été battu. Il y avait quelqu'un. C'était Garagi pour rediriger en direction du but. Une passe axiale. On trouve Justin. C'est pas mal fait. Ouh, ils sont deux. C'est K-Dop qui parvient à toucher. Garagi qui essaie de remettre en direction du but. On est en difficulté. Mais K-Dop là qui va s'en sortir. Violent Panda qui va peut-être pouvoir dévier cette balle jusqu'à K-Dop. Justin qui passe à côté. Très bon retour de la part de Garagi. Mais c'est pas fini. Là, Justin qui va devoir intervenir. Violent Panda qui va la mettre sur le wall, K-Dop encore une fois dans l'axe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la récupérer? Oui, il y a Valéon Panda qui va la mettre jusqu'au corner. Peut-être en autant. Non, il va laisser la balle à Turbo Polsa, pardon. Justin, bon dégagement. Valéon Panda qui la remet en direction du corner. Il va falloir venir contester un petit peu là du côté de Energy. Valéon Panda dans l'axe, il n'y a personne encore une fois du côté de Dignitas. Effectivement, on n'a pas accompagné. On a laissé Justin dégager comme il le voulait. Garage, il la passera un petit peu trop longue là, beaucoup trop longue. Troisième poteau, K-Dop dans l'axe. Décollage de Turbo Polsa qui a été battu par Justin. Voici Violent Panda cette fois-ci derrière. Il la lève. Oh, il y a Turbo pour un redirect. C'est pas mal fait. On va essayer de laisser à K-Dop qui remet dans l'axe du but. Ça va être défendu, ouais, repoussé. Turbo Polsa qui touche. Ça permet d'éviter la contre-attaque. Violent Panda qui remet fort. Bonne défense de Fireburner. Turbo Polsa qui va aller sur ce ballon. Peut-être en deux temps. Turbo Polsa, il est face à Justin. C'est Justin le plus rapide. Et il arrive à trouver Garagi. Ça repart dans le corner. C'est K-Dop qui sera à la réception. Essaye de l'emmener au-dessus de Justin. Pour l'instant, c'est un petit peu raté. C'est Violent Panda qui va essayer de pinch peut-être pour s'en sortir. Mais attention, Fireburner qui vient mettre beaucoup de pression. K-Dop qui essaie de changer le sens du terrain. Garagi
pour Justin. C'est raté pour Justin. Violent Panda arrive à sortir cette balle pour l'instant. Ça traîne dans le camp des Dignitas. Ouh, Fireburner, ouais, la petite passe. C'était compliqué pour Justin de la remettre en direction du but, mais en deux temps, il y parvient. Il sert Gareggi. Bonne sortie de K-Dop là pour venir fermer l'angle. Gareggi encore une fois. Dans le coin de corner, ça va être compliqué cette fois-ci avec un petit manque de boost. Ouh, ça revient. Justin qui ralentit le jeu. Il est néanmoins contré par Violent Panda. Fireburner sur le wall qui va laisser la balle à Turbo. Gareggi qui est venu s'interposer. Ouh, Violent Panda un peu plus rapide. Qui a pu mettre un petit peu de pression sur cette cage. Gareggi qui va essayer de back. Justin était là pour faire l'arrêt. Fireburner qui la récupère. Il est face à K-Dop. K-Dop qui remporte son duel. Mais ça pourrait servir. Gareggi qui va essayer de le mettre sur le backboard. Violent Panda pour essayer de faire un contrôle. Gareggi qui fait une jolie passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la suite? Justin, mais il n'arrivera pas à cadrer. Fireburner sur le backboard. K-Dop qui va réussir à l'éloigner un petit peu. Mais c'est pas fini. Il est avec Gareggi qui continue de mettre de la pression. Turbo Polsa pour le dégagement. Fireburner pour essayer de la cadrer. C'est Turbo Polsa encore une fois qui va s'en sortir. Justin peut-être en deux temps. Il va la laisser finalement à Gareggi. Turbo qui vient se jeter pile à temps. Ils vont pouvoir s'en sortir. Ouais, en tout cas pour l'instant ils sont plutôt acculés devant leur but. C'est Energy qui a la main mise sur cette game. Peu inquiété derrière. Ils mettent la pression sur le but de Dignitas. Attention, ça va être retouché par Justin. Mais bon, jaillissement de Turbo Polsa pour aller essayer de mener l'offensive. C'est récupéré derrière par Garrett au duel face à K-Dop dans les airs. Ou K-Dop, il n'a pas eu le ballon, mais il n'a pas raté Garrett. Violent Panda qui va peut-être essayer de faire une passe dans l'axe pour Turbo Polsa. Ça a été très bien contré par Fireburner. Turbo Polsa encore une fois face à Garrett G. Il a été bien secondé par Fireburner. Garrett et Fireburner justement qui combattent pour l'instant plutôt bien. Fireburner qui s'est fait contrer par Turbo Polsa. Il la remet dans le corner. C'est K-Dop cette fois qui va l'éloigner. Turbo Polsa, le doink pour essayer de prolonger un petit peu cette balle. Justin qui la remet dans le corner. C'est K-Dop qui va essayer de faire cette passe. Il essaye de le mettre tout seul. Bien contré par Fireburner. Mais là il y a Turbo Polsa qui va pouvoir trouver le but. Ouais, la tentative de Doomsich Dish de la part de K-Dop qui a néanmoins mis en difficulté la défense. Avec Fireburner, puis Gareggi, ouais, le décollage. Il a voulu aller vite là, Gareggi, mais il s'est un petit peu trop précipité. Du coup, il était hors sujet sur cette action. Turbo Polsa, lui, arrivé lancé, a pu mettre parfaitement ce ballon dans le but. Et à 1 minute 25 de la fin, Dignitas qui revient. Tout est à refaire dans cette game, et c'est pour l'instant Justin qui essaye de lancer l'attaque pour son équipe. Violent Panda qui va tenter de retourner sur ce ballon. On le laisse faire, donc il prend son temps. Gareggi, par contre, très bon contre récupéré. K-Dop. Et Turbo Polsa à la réception. Fireburner qui va la mettre en direction du corner. C'est Violent Panda qui va y aller. Le bon compte de Fireburner, ça libère de l'espace là pour Energy. Bonne intervention de la part de K-Dop, mais c'est pas fini avec Gareggi qui remet de la pression. La balle qui traîne devant l'axe. K-Dop qui l'a raté. L'attaquant aussi. Pour l'instant, tout le monde se rate du côté Energy. Ça profite très bien Dignitas. Oh, attention, ils sont à 2v1. Turbo Polsa et K-Dop. Il ne reste plus que Justin derrière. Mais il n'y avait pas de possibilité de passe là pour le Suédois. Malgré l'appel de balle du français. Oh, attention Justin, il est là. Et Violent Panda qui va empêcher ce ballon de revenir. Pas de double tap là. Gareggi qui va aller sur ce ballon. Ça a été touché par Violent Panda. C'est au tour de Fireburner d'essayer d'accélérer pour centrer. Ça ne passera pas. 30 secondes restantes. Energy qui essaie de faire le forcing, mais on est en place derrière. K-Dop grâce à un pinch qui va l'envoyer. Milieu de terrain, peut-être pour une récupération. Il s'est contré par Justin, mais ça a été instantanément repris par Violent Panda. Gareggi en direction du wall. K-Dop qui essaye de la maintenir dans l'axe. Et Fireburner qui sera le premier sur cette balle. Il essaye de retourner face à Violent Panda. Il a été bien aidé par Justin. Turbo qui peut tenter de dégager. Justin encore une fois dans l'axe. C'est K-Dop qui va dégager très loin. Ça va partir backboard. Ça pourrait faire une occasion pour Dignitas. Gareggi qui arrive à temporiser au moins un petit peu le danger. Fireburner qui la décale. Justin qui va peut-être pouvoir suivre. Attention à cette balle. Gareggi qui s'envole. La balle est cadrée. Turbo Paul, ça la repousse sur le côté. Gareggi encore une fois dans l'axe. Justin qui essaye de la suivre. Ça touche le sol. On est allé fermer la porte là du côté de Dignitas pour construire un mur bleu devant les attaquants d'Energy, et il le fallait, il y avait une belle opportunité. Oh attention là, c'est ouvert la frappe, oui Justin au second poteau qui profite d'un contre très favorable là. On va aller revoir, c'est K-Dop qui essaie de dégager, il est contré, il est bien contré par Gareggi, très agressif sur ce coup, ça sert Justin et Energy qui égalise dans la série. Très bien joué de la part de Energy, Gareggi qui a pris tous les risques. Deux buts sur kick-off. Des fois il faut, deux buts sur kick-off. Bah oui, le premier et celui-ci. C'est vrai. C'est vrai que il marque beaucoup sur kickoff Energy. Et 3 buts en comptant celui de la première game. Celui de la toute première. Exactement. 3 buts sur 4 en kickoff. 75% de buts inscrits par Energy sur kickoff dans cette série statistique. Pop, Boyan en live, allez. Trop chaud. On a vu des Energy. Ils sont dominés. Un peu ont plus solides. Même plus solides. Et Dignitas qui est d'habitude si solide en défense. Là, ils ont fait des petites erreurs. Ça leur a coûté la game.
C'est bien de voir un peu de combativité du côté de Energy. Oui, bah ça c'est le minimum que l'on puisse attendre d'eux, de ne rien lâcher, d'aller agresser cette équipe de Dignitas. Et voilà, ils ont réussi à les contenir dans leur camp. Le match s'est déroulé à 70%, je trouve, dans le camp de Dignitas. Energy, plus d'ambition offensive ici. Oui, ça a fait la différence. C'est pas mal. C'est ce qu'ils ont besoin de faire pour remporter cette première confrontation. Tandis que nous allons vers Manfield Knight désormais pour la game numéro 3 entre Dignitas et Energy Bashi. Fireburner à l'engagement. Non, et finalement il avait laissé à Garage. Donc c'est Turbopulse qui l'a remporté. Violent Panda dans l'axe, a été récupéré par Justin, peut-être en deux temps. Justin qui s'apprête à faire une double tap, Oh. même une triple, elle n'est pas cadrée. Par contre, il a réussi à la retoucher pour l'éloigner. C'est finalement dégagé par Violent Panda. Fireburner qui se fait prendre de vitesse, c'est Karachi qui sera à la réception. Violent Panda qui essaie de forcer un petit peu le passage pour que la balle parte dans l'axe. Ça a été touché par Justin. K-Dub qui se fait prendre de vitesse encore une fois par Justin. Karachi qui va essayer de la prolonger. Violent Panda qui a un petit peu de temps, le contrôle de balle. Il n'était pas en bonne solution, donc il a préféré chercher K-Dub. C'est bien joué, Turbo Pulse qui va la remettre très haute. Est-ce que quelqu'un peut le suivre? Je ne pense pas, c'est Karaji qui dégage. Oh là, quel collectif là de la part de Dignitas. Les passes qui s'enchaînent pour progresser sur le terrain. Et la défense en difficulté. Garage in extremis qui parvient à mettre ce ballon sur la barre transversale. Ça traîne devant le but. Et on va fermer la porte à Turbo Pulse à K-Dub. Une deuxième possibilité. Justin qui va intervenir. C'est dans la course de Fireburner, mis sous pression par Violent Panda. Il va passer. Et cette fois-ci, on a Dignitas là à l'attaque. Turbo Bolsa qui se rate un petit peu dans cette touche de balle, c'est Justin qui va bien contrôler. Violent Panda qui arrive à gagner un duel. K-Dub la passe en retrait pour essayer de retrouver Violent Panda. Il arrive à passer Fireburner. Garrett G qui va la remettre dans l'axe. Justin qui ne pourra pas partir car Turbo Bolsa est déjà lancé. Violent Panda, la tentative de redirect. Justin qui le prend de vitesse. Turbo Bolsa dans l'axe. K-Dub n'aura pas suivi, il préfère jouer un petit peu safe. Garrett G pour le dégagement. La balle est dans l'axe, ça va être récupéré par Violent Panda. La demi-volée, très très haut. Oh, il y a K-Dub qui va contester ce ballon, ça termine sur la barre transversale. Violent Panda ne peut rabattre, mais il la remet dans l'axe du but. Garage va avoir un petit peu d'espace pour progresser. Turbo Pulsa est allé se replacer derrière, mais il est battu là sur le contre. K-Dub, bien joué, la passe pour Violent Panda, on se trouve. Turbo Pulsa pour décoller peut-être. Oh non, c'est K-Dub qui a poursuivi le 1-2 entre lui et Violent Panda. Ça va être là pour Garage peut-être. Violent Panda qui essaye de pinch, ce n'est pas assez puissant, Justin peut la récupérer, mais Violent Panda est encore à l'affût. Kaiji qui va la repousser, K-Dub pour tenter de faire une passe, ça sera encore une fois repoussé par Justin, attention, ça part sur le mur opposé, Violent Panda qui met beaucoup de danger, Fireburner qui s'est raté, Justin qui est un petit peu en difficulté, il sera aidé par Garage. K-Dub qui le prend un petit peu de vitesse, il essaye de l'empêcher de faire ce qu'il veut avec le ballon pour laisser un de ses coéquipiers la récupérer. Pour l'instant, Garage se balade encore une fois. Attention, cette passe dans l'axe bien repoussée par Turbo. Oh, le contrôle de Violent Panda, le petit crochet pour éliminer Justin. Oh, il a raté le boost, malheureusement, il a voulu le récupérer. Mais malheureusement, Justin, juste derrière lui, qui est venu lui shipper. Du coup, Violent Panda, le voici replacé contre le backboard. Oh, il va intervenir. Il y avait sans doute ses deux coéquipiers qui étaient prêts aussi à aller toucher ce ballon. Et là, un petit peu d'espace. Turbo qui cherche Violent Panda, c'est dégagé par Garrett. K-Dub qui va pouvoir partir sur ce ballon. Justin qui l'attend. K-Dub qui s'est raté. Attention, il a été aidé par Turbo Pulsa. Violent Panda qui remporte ce duel. Justin qui le remet dans l'axe. Turbo Pulsa pour la récupération. Bien contré par Garage. Garage encore une fois face à K-Dub. La balle qui revient au milieu de terrain. Justin qui va attendre un petit peu pour partir dessus. Il l'a mis finalement dans l'axe pour Fireburner. Turbo Pulsa qui gagne son duel. Repoussé par Justin et Garage. Contrôlé par Fireburner. Il est mis sous pression par Violent Panda, mais il obtient le contre favorable. Le ballon est néanmoins rendu à Turbo Pulse. Quelle anticipation de Justin. Attention, il va essayer de retourner sur ce ballon. K-Dub sereinement qui contrôle. Bien joué Fireburner qui choisit de mettre ce ballon sur le côté pour éviter d'être contré par la défense. Garage, l'intervention, c'est en direction du but. K-Dub qui repousse. Et attention, ils sont partis à deux néanmoins. Il va falloir se replacer pour défendre ce ballon de Justin. Sans souci, Turbo Pulse dans les airs qui repousse Fireburner sur le côté. Ça va profiter à lui-même. Une chandelle pour Justin. Justin qui va la contrôler. En l'air, il a réussi à se faire contrer par Violent Panda. Garage qui la remet sur le backboard. K-Dub, le dégagement. Violent Panda qui prend un petit peu son temps. Il va essayer de la dunk, c'est un petit peu trop haut, mais ça pourrait servir. Turbo Pulse, attention, il n'a pas prévu le rebond transversal. K-Dub qui s'est fait passer. Justin et Fireburner en 2v1. Justin qui essaye d'y aller au forceps. Turbo Pulse qui s'est fait passer. K-Dub qui a le temps de la dégager. Il n'y a plus de pression mise par Energy. C'est K-Dub qui va essayer de s'en aller. Garage qui arrive à la stopper milieu de terrain, mais c'est récupéré par Turbo Pulse. Fireburner sur Garage. Violent Panda qui avait très bien anticipé. Justin pour le dégagement. Turbo Pulsa qui essaie de la remettre dans l'axe. K-Dub qui s'envole. Ça a été contré par Justin. Oui, ils sont venus se mettre à deux juste devant lui. Turbo Pulsa qui remet dans le coin de corner.
Les deux équipes ont leur phase là. Pour l'instant, toujours 0-0. Personne n'arrive à trouver l'ouverture. Violent Panda, est-ce qu'il va aller contester ce ballon? Non, il laisse le son à K-Dop de décaler sur la droite. C'était compliqué. Violent Panda un petit peu trop proche derrière, pas assez sur le côté. Là, Violent Panda va repartir. Lui ou K-Dop. C'est le néerlandais qui choisit de mettre dans l'axe. Mais attention, il y avait Justin sur Bopulsas. Non, c'est K-Dop derrière qui dégage. K-Dop en deux temps peut-être pour la retoucher. Il n'y arrivera pas. Malheureusement, c'est Fireburner qui peut la mettre sur le côté. Violent Panda. Essaye de faire une passe, il se fait contrer par Gareggi. Turbo Polsa qui ne pourra pas intervenir sur cette balle. Justin la frappe, bien arrêté par K-Dop. Violent Panda, très loin dans l'axe. Il essaye de relancer ses coéquipiers. C'est Turbo Polsa qui va partir dessus, mais qui va se faire passer. Violent Panda et K-Dop qui attendent un petit peu. Attention, K-Dop qui est en difficulté. La balle qui vite au sol, c'était dangereux. Elle est toujours dans l'axe, cette balle d'ailleurs. C'est Violent Panda qui va la dégager. Gareggi en l'air. Turbo Polsa qui va essayer de la rediriger sur un de ses coéquipiers. Ça ne marchera pas. Part en overtime. Ouais, 0-0 dans cette game. Deux belles défenses, peu d'erreurs, et de la solidité démontrée par les deux équipes. Turbo Polsa, faut décoller sur ce ballon qui est cadré sans inquiétude. On cherche Violent Panda sur le côté qui est passé face à Justin. Attention, Gareggi qui a fait la différence néanmoins. Et Violent Panda sorti de nulle part pour empêcher le but en Nord et Energy. K-Dop qui la remet en direction des cages d'Energy. Justin qui l'arrête. Fireburner qui s'était un petit peu raté. Attention, Gareggi. Milieu de terrain, ça va être récupéré par Justin. Gareggi qui arrive à bien la prolonger pour empêcher Violent Panda de la toucher. C'est dangereux cette balle, il se bump un petit peu. Fireburner la frappe, elle n'est pas cadrée. Il avait la possibilité d'ajuster la défense, il a choisi de la mettre sur le côté. Malheureusement, hors 4 pour lui. Turbo Pulsa qui prend son temps pour la lever. On se replace du côté d'Energy, c'est Dignitas désormais qui va attaquer. Turbo Pulsa, ouh, ça va aller vers le but, il ne peut rien faire là. Justin, je crois que c'était lui. C'était lui effectivement, je me demande s'il n'y a pas eu un petit problème de communication là. Justin qui prend le boost et qui se fait surprendre tout simplement. Il s'attendait peut-être à ce qu'il ait un de ses coéquipiers dans les cages, je ne sais pas. En tout cas, il ne peut pas intervenir sur une balle qui n'est pas si impressionnante que ça. S'il avait pris son temps, est-ce qu'il n'aurait pas pu l'avoir, je ne sais pas, pour la contourner encore un petit peu. C'est allé vite, c'est allé très très vite, ça se joue à pas grand chose. Et bah, c'est ce but-là qui vient faire la différence du coup dans une game où pourtant on a vu voilà deux équipes bien en place où il n'y avait pas d'espace, il y avait de l'espace pour personne. Il y avait vraiment très très peu d'espace, les deux équipes n'osent pas prendre de risques, elles n'ont pas envie de concéder des buts dommages. Comme celui-ci exactement. Donc pour, ça ferme tous les espaces, ça joue safe pour l'instant. Je me demande si c'est pas le troisième overtime qu'on a dans les trois games. La première, est-ce qu'elle a pas fini en overtime aussi? Non, la... Non, ils font la différence avant, Dignitas, okay. Et la deuxième c'était overtime. Oui. Je me souviens, ok, bah c'est la troisième, la deuxième pardon, sur 3. 66% des games de cette série se terminent en overtime jusqu'à présent, statistique. Pop. Avant la game numéro 4, En tout cas, cette fois, c'est parti pour Dignitas. J'ai une info intéressante. Aucune équipe n'est parvenue à remporter deux majors consécutivement sur Rocket League. Ils ont la possibilité de marquer l'histoire une fois supplémentaire, Dignitas, avec deux majors consécutifs, RLCS plus Gnarly. Ce serait historique. Ce serait très joli. Attention, K-Dop qui s'est fait un petit peu surprendre par Fireburner. Très bon follow de la part de Justin qui met beaucoup de danger sur cette cage. Et Fireburner et Justin qui combinent encore une fois très très bien pour nous donner un but très rapide. Ouais, encore un but sur kick-off effectivement. C'est bah, si pas tu... vraiment sur kick-off. Un petit peu, dans les 12 secondes. Ouais, ça peut pas être compté comme un kick-off. Pour mes... 1-0 pour Energy. En tout cas, c'est toujours eux qui ouvrent le score en début de match. Et attention, K-Dop n'a plus de boost pour lui pour le coup. C'était sur le kick-off, attention, Turbo Pulse assez fort contre le backboard, mais c'est très bien lu de la part de Fireburner. K-Dop qui va essayer de remettre du danger sur la cage de Energy. Gareggi qui passe un petit peu à côté, K-Dop qui la remet très haute, c'est pour Turbo Pulse qui va cadrer cette frappe. Il y avait pourtant deux défenseurs dans la cage. Turbo Pulse trouvera quand même le chemin du filet. On va les revoir là. Ok, bon, Justin, il le fait en marche arrière. Ok, c'est bien ça. Ah. Il vient bump Gareggi qui lui était sur la trajectoire. Cette tentative désespérée de Justin qui vient malheureusement pénaliser son coéquipier et son équipe. Un partout, l'égalisation de Dignitas. C'est dommage pour Energy. Ils sont en train de concéder des buts en sachant qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette série. Des buts qu'ils offrent un petit peu. Un petit peu facilement, oui, Violent Panda. Il va essayer de partir à l'attaque, mais ça a été bien contré par Gareggi. Turbo Polsa qui la relance très loin. Violent Panda va-t-il pouvoir intervenir? Il a tenté de pump Justin, ça libère de l'espace pour K-Dop, mais c'est un peu trop haut. Turbo Polsa qui va se faire prendre de vitesse par Gareggi. Justin sur le wall, il n'a plus de boost, il peut quand même essayer d'adresser un centre.
Il a tenté d'hausser la vitesse de jeu, la garage, mais ça ne marchera pas. Kaidop dans l'axe, attention, Turbo Pulse, il faut toucher cette balle en premier car Justin est très bien placé pour faire une double tap. Et voici la force de Justin. Très beau but pour Energy. Ouais, la chandelle de Kaidop. Pourtant, Turbo Pulse, il a décollé très très vite. Et ensuite, il a choisi d'économiser son boost. Il a un petit peu temporisé. S'il avait été premier sur ce ballon, Justin n'aurait pas mis ce but. Bien joué de la part de Justin. 2-1. Turbo Pulse qui essaye de remettre de la pression. Energy qui l'envoie direction le backboard adverse. C'est Kaidop qui peut la récupérer. Karachi, encore une fois, la passe dans l'axe, très efficace. C'est pour Fireburner qui backflip malheureusement. Donc Violent Panda peut la récupérer. Justin à la récupération de cette balle. Attention, il faut pas se rater sur ce genre de dégagement. Il a beaucoup de boost. Il l'use pour pouvoir passer au-dessus de Kaidop. Très bien joué, Karachi en follow qui va pouvoir essayer de faire une passe peut-être. Il a cherché la démolition, mais malheureusement il n'avait pas de soutien. Justin qui ne l'a pas accompagné. Garagi, c'est exactement ce qu'il attendait. Là, il avait fait le travail, il avait déposé là ce ballon dans l'axe du but. Et c'est bien joué là derrière. La pression de Turbo Pulse qui a accompagné Kaidop pour pouvoir toucher ce ballon. Et là, on combine bien de la part d'Energy cette frappe contrée par Violent Panda. Kaidop, c'est dans l'axe. Oh là là, on se trouve du côté de Dignitas. Violent Panda qui va essayer de gêner, il ne pourra pas retoucher. Garagi face à Kaidop, c'est Garagi qui remporte son duel. Turbo Pulse qui va réussir à pinch plus ou moins pour le mettre de l'autre côté. Fireburner qui prend un petit peu son temps, attention, il accélère pour pouvoir passer Turbo Pulse. Violent Panda juste derrière qui va se faire contrer par Justin. Kaidop, milieu de terrain. Garagi va pas pouvoir intervenir, il va la laisser à Fireburner. Kaidop qui tente de contrer, il n'y arrivera pas. Garagi qui temporise, ça reste dans le corner Energy, il va falloir essayer de dégager. Pour l'instant c'est réussi de la part de Garagi. Kaidop qui se fait contrer par Fireburner. Turbo Pulse qui va devoir intervenir, cette balle qui reste dangereuse. Kaidop qui l'a raté, est-ce que Violent Panda attend? Oui. Turbo Pulse qui va prolonger, c'est raté. Et ça permet à Garagi de récupérer face à Violent Panda, pas pour longtemps. La passe en retrait pour Kaidop qui y va, mais on était bien sorti de la part de Fireburner il me semble. Violent Panda essaie de contrôler, il va prendre son temps pendant que Garagi se replace. Justin pour Fire, c'est dégagé. Garage qui peut la récupérer. Fireburner, va-t-il tenter quelque chose? Non, Violent Panda était déjà en l'air. Turbo Pulse qui va la repousser. Par contre, c'est directement dans les roues des Energy. Kaidop qui a pris un contrôle de balle. Il faut passer au-dessus de Fireburner. Ça ne marchera malheureusement pas. Violent Panda en deux temps. Peut-être Violent Panda qui se retrouve avec une très bonne position. Il a réussi à faire une passe. Justin qui la sort comme il peut. Violent Panda encore une fois dans l'axe. Kaidop qui va se faire contrer. Turbo Pulse qui s'est lancé. Personne ne touche la balle. Elle reste dans le camp des Energy. Mais là, il va falloir se replacer du côté Dignitas. Et Violent Panda attend de faire une très belle parade. Fireburner, non. Il sera battu par le dégagement de Violent Panda à 1 minute 40. Pour l'instant, Energy qui tient bon. Turbo Pulse qui laisse ce ballon à Kaidop. Pas de mind game là face à Justin. L'agressivité. On y va sur tous les ballons du côté d'Energy. On va essayer de se rattraper après la manche précédente. Donner un petit peu facilement sur le but en or de Dignitas. Fireburner. Ça va revenir dans l'axe. Attention, Violent Panda qui est lancé la demi-volée. Et c'était compliqué d'intervenir. De l'espace, tout simplement. Hein, des joueurs comme eux, n'importe lequel des trois, tu lui laisses de l'espace, il te fait ça. Ouais, il y a eu du bump là. Il y a eu du bump. C'est Turbo Pulse en plus qui, si jamais le défenseur était mieux placé, il allait pour le bump. Violent Panda qui tire en contre-pied total sur le défenseur qui est en train de revenir. C'était impossible là, pour Energy de l'arrêter. Il fallait être déjà présent pour empêcher Violent Panda de tirer. Ce n'était pas le cas, en tout cas c'est Justin cette fois qui va essayer de mettre de la pression. Kaidop pour le dégagement. Récupération potentielle de Garagi et c'est réussi. Loin devant, Turbo Pulse qui doit intervenir face à Garagi. Ouais, le contre sera favorable aux Suédois. Ou pas pour longtemps avec Fireburner dans les airs qui est arrivé lancer. Sa frappe n'était pas cadrée malheureusement pour lui. Justin qui est surpris par le rebond. Il y a Garagi derrière qui va l'accompagner, qui va contrôler, qui va pinch pour essayer d'accélérer le jeu et mettre la pression sur Kaidop. Mais la bonne demi-volée du français pour renvoyer devant. Oh, il y a Violent Panda dans les airs. La double tap peut-être du néerlandais. Ça ne passera pas. Turbo Pulse qui arrive lancé derrière. Encore une fois, le backboard. Kaidop, est-ce qu'il est là? Il se jette. Il a le contre favorable heureusement face à Justin. Garagi qui va quand même tenter de s'en sortir. Mais c'est Violent Panda qui continue de mettre la pression. Fireburner qui contrôle cette balle sur le wall. Il va falloir lui mettre de la pression là de la part de Turbo Pulse. Fireburner qui remporte quand même le duel. Kaji face à Kaidop qui va le remporter lui aussi. Violent Panda qui se retrouve tout seul en défense. Cette balle qui pourrait être dangereuse si Kaidop n'arrive pas à la toucher. Turbo, le contrôle de balle. Il n'y a plus aucune pression mise par Energy. Mais Fireburner a quand même le temps de contrer Turbo Pulse. Violent Panda qui la remet de l'autre côté. Justin, remise dans l'axe. Turbo Pulse qui la remet en direction du corner. Fireburner, pardon. Qui va essayer de contrer Kaidop. C'est plus ou moins réussi. Ça va repartir milieu de terrain. Kaji qui la récupère. Violent Panda. Sur le wall, ils n'ont pas envie de prendre de risques là à 0 seconde. Ils savent de quoi est capable Energy à 0 seconde. La balle touche le sol, on repart en overtime. On y repart pour la troisième fois consécutivement du coup dans cette série. Les stats. Et attention Energy.
Energy, pas le droit, difficilement le droit à l'erreur, parce qu'en cas de victoire, en cas de but là de Dignitas, ce serait 4 balles de tournoi pour eux. Attention, bonne interception là de Fireburner, car ils arrivaient à 2, ils étaient lancés, la machine Dignitas, la machine offensive de ce trio, K-Dop qui va intervenir pour passer Garagi, Violent Panda, on cherche un relais. Oh attention, Turbo Pulsa qui va aussi, c'est finalement Justin qui va prendre son temps pour contrôler, ça profite à Fireburner qui cherche Garagi, mais c'est intercepté par K-Dop. Fireburner qui va être retrouvé, c'est pas mal, c'est passé derrière Turbo Pulsa, faut l'accompagner, le Suédois, lui parler, il sera là pour empêcher ce ballon. C'est très bien joué, mais maintenant c'est Fireburner qui va remettre de la pression, K-Dop qui ne devrait pas avoir de problème pour toucher ce ballon, j'espère en tout cas. Tu finis par douter même sur des, ce genre d'action. C'est une balle qui repart de l'autre côté. On voit Violent Panda qui avait l'air d'avoir décollé, mais là finalement c'est Fireburner qui peut leur mettre dans l'axe. K-Dop au contre sur Justin. Justin qui a un petit peu d'espace, on ne lui met pas de pression pour l'instant. Si Turbo Pulsa qui arrive, ça part directement dans les cages, mais Garage était là pour l'arrêter. Attention, Turbo Pulsa dans l'axe. Violent Panda qui a décollé. Est-ce que K-Dop va y aller? Il va essayer de frapper, il va cadrer. C'est le but pour Dignitas. K-Dop qui vient offrir cette game numéro 3 et 3 balles de match du coup à Dignitas, 3 ou 4, je ne sais plus compter Bashi, mais eux, ils n'ont pas besoin de compter, ils enchaînent les buts et ils enchaînent les victoires pour le moment Dignitas. Et oui, Dignitas qui s'offre ses 3 balles de match, j'ai eu le temps de compter du coup. Donc ils sont plutôt bien des games, tout le temps serrés, un but d'écart au maximum. On a quand même 75% des games qui sont en overtime dans cette finale. Les stats. Statistiques très importantes. Papa. Maintenant, Energy, ils sont à la hauteur. Ils sont à la hauteur. On le voit. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, je trouve que Dignitas a pris de gros risques sur la fin du match et l'overtime. Où il y a un troisième joueur, que ce soit K-Dop sur ce but-là, ou sur le contre qui remporte face à Garagi un petit peu avant, où ils sont les trois dans le camp des Energy. Ça marche pour Dignitas, mais on sent qu'ils sont quand même obligés de casser leur rotation hyper défensive pour pouvoir marquer des buts. Ils ont le temps, on va dire. Ils peuvent se permettre de perdre ces games, ils peuvent se permettre de perdre même ce BO. Ils peuvent se permettre tout simplement de prendre ces risques. Ils ne sont pas dos au mur, ce qui est le cas d'Energy désormais, mais ils l'ont été déjà à 2 reprises dans les 2 BO précédents. Ça les motive. Bah oui, c'est une position qui leur convient au pied du mur Energy. Là, ils vont devoir remporter 3 games consécutives face à Dignitas et ma foi c'est une première balle de match là pour Dig, une balle de tournoi. Violent Panda qui remporte son engagement, c'est Turbo Pulsa qui va essayer de suivre, il la met un petit peu trop haut pour que ça soit rentré. K-Dub qui continue de mettre de la pression en deux temps, K-Dub qui fait une jolie passe pour Violent Panda et Violent Panda qui va s'empresser de marquer pour la première fois. C'est Dignitas qui ouvre le score. Effectivement, et cette fois-ci K-Dop la double tap pour servir Violent Panda. C'est très très bien joué, il n'avait aucune chance de la mettre ou c'était très compliqué, il fallait trouver un angle qui aurait mis un ballon assez mou, peut-être sans doute sauvé par les défenseurs, et plutôt que de rendre le ballon à Energy, il est allé chercher le backboard pour servir son coéquipier. La synergie, ils savent où sont leur coéquipier Dignitas en permanence. 1-0 déjà, attention, peut-être un deuxième. C'est défendu cette fois-ci. Violent Panda qui va essayer de remettre de la pression. Justin et Fireburner qui sont partis à 2 sur cette balle. Turbo Pulsa dans le coin de corner. Justin pour le dégagement. Turbo Pulsa ne peut plus intervenir, il a plus de boost. Donc ça va être récupéré par Garagi. Violent Panda dans les cages qui va pouvoir dégager cette balle très très loin. Peut-être en deux temps, le joueur néerlandais. Non, très bonne lecture backboard de la part de Justin. Turbo qui essaye de mettre de la pression, K-Dop est dans le coin, il va pouvoir la récupérer cette balle, le petit crochet pour essayer de surprendre la défense, malheureusement Justin l'avait très bien vu. Violent Panda qui a un petit peu d'espace, qui va peut-être pouvoir faire une passe à K-Dop, c'est compliqué, Justin, bonne lecture. Turbo Pulsa, le décollage, il va envoyer vers l'axe du but, Fireburner était aussi dans les airs pour contrer, attention, Violent Panda à la demi-volée, ça prend la direction du but tout simplement, encore une fois, une demi-volée avec un petit peu d'espace et Violent Panda il va en profiter à chaque fois. Parti du wall, il a parfaitement anticipé ce rebond là, ce ballon en chute libre et la frappe est pure. 2-0. Dignitas qui commence très très bien ce match, 2-0 déjà pour eux. Energy qui sont en difficulté, ils n'ont pas le droit à l'erreur et Garagi qui vient réduire le score. Kick-off goal pour le pourcentage. On a perdu le pourcentage, on a perdu les stats. La 66e fois sur 5. Très bien joué de la part. Wow. Ça n'a plus de sens. En tout cas, très bien joué de la part de Garagi là, qui a pris de vitesse toute l'équipe de Dignitas. Oui. De la réduction du score d'Energy.
Allez, allez, faut combattre un petit peu mieux que ça. Vous le pouvez. Gareth G, Fireburner, Justin. Allez, on va essayer de mettre la pression. Avec Justin qui retrouvera Gareth G. Ils y vont à deux. C'est finalement Justin qui retouche ce ballon. Mais la frappe n'inquiétera pas. Et attention à la combinaison. Violent Panda pour K-Dub qui essaie de trouver l'angle. Il y avait le retour de Gareth G. K-Dub qui maintient dans le coin de corner. Ça va profiter à Turbo Pulsar. La frappe, mais Justin vient sortir un arrêt miracle. Justin, encore une fois, pour faire une défense backboard, ça va être à K-Dub d'intervenir. Marche arrière, K-Dub qui arrive à passer un joueur. Il s'est fait aider par Violent Panda qui était venu mettre un petit bump. Fireburner et Justin qui trouvent un bon relais là pour pouvoir dégager cette balle. Violent Panda qui va la remettre sur le backboard. Il n'avait pas les ressources pour continuer, donc c'est Fireburner qui va prendre son temps pour dégager. Il attend que quelqu'un vienne le contester. Pour l'instant, personne n'y allait, donc il a réussi à traverser le terrain. Le centre de Justin, c'est pour Gareth G, c'est pas mal fait. Violent Panda, la claquette sous la barre transversale. K-Dub ensuite pour gagner un petit peu de temps supplémentaire et pouvoir dégager ce ballon. Attention, on va se faire sortir côté Violent Panda. Premier sur ce ballon pour dégager sur le côté gauche. Turbo Pulsar à son tour pour mettre le ballon dans le coin de corner. On va aller mettre la pression sur Gareth G. La marche arrière qui a fonctionné. Fireburner prend le relais. K-Dub dans l'axe. Oh, attention là, Violent Panda qui s'est fait prendre de vitesse par Gareth G qui a du coup un boulevard devant lui pour pouvoir mettre le but de l'égalisation. Turbo Pulsar n'a pas eu le temps de revenir. On voit quand Violent Panda se geste, il n'y a personne dans le camp des Dignitas. Ouais, le troisième joueur, la Violent Panda, il a pris d'énormes risques sur ce ballon en voulant le jouer, en voulant mettre la pression, en voulant tuer le match certainement. Et bien ça permet à Gareth G qui a remporté le duel. Oh, Violent Panda. Ok, il a rattrapé son erreur. Oh, il redonne l'avantage tout de suite à Dignitas sur l'engagement. Bah, c'est posé par Turbo Pulsar. Ensuite, Violent Panda, easy pour lui. Kick-off goal. Tout à fait. Cette fois, l'avantage de Dignitas, c'est la première fois. Mais Dignitas qui reprend l'avantage. 2 minutes 30 restantes. Et c'est Gareth G qui va remporter cet engagement. K-Dub qui s'envole dessus pour empêcher l'avancée des Energy. Violent Panda qui peut passer Fireburner. Gareth G qui va essayer de repartir dans l'autre sens. Mais K-Dub encore une fois au duel. K-Dub qui va essayer de faire une passe pour Turbo Pulsar. La passe est un peu longue. Justin qui va mettre du danger sur la cage des Dignitas. Violent Panda qui peut s'en sortir. Fireburner, tentative de ceiling shot de sa part. Il était contré par Turbo Pulsar, mais ça aurait pu suffire. Ouais, Violent Panda a pu écarter le danger qui va revenir instantanément. Néanmoins, ah, Gareth G s'est retrouvé face à un os, le toit, le plafond. Il a empêché de contrôler ce ballon comme il l'aurait souhaité. Il fallait intervenir là de la part de Fireburner. Ils sont présents en nombre offensivement, les Dignitas. Ils vont empêcher Energy de sortir avec K-Dub. Ouh, non, qui n'est pas intervenu. Turbo Pulsar là, qui est allé se mêler à la lutte. Ça permet à Gareth G, non, il ne va pas aller sur ce ballon. Il va attendre pour la remettre dans le coin de corner. Il va chercher à frapper fort contre le backboard. C'est de l'autre côté. Gareth G qui a un petit peu d'espace, il va pouvoir la mettre en retrait. Mais Turbo Pulsar et K-Dub sont venus le contrer. Justin qui va essayer de passer. Turbo Pulsar qui remporte son duel. Gareth G qui a de l'espace, il va le prendre. Le temps qu'il a, il rate un petit peu son contrôle de balle. K-Dub et Violent Panda, attention, double commit. K-Dub qui ne va pas pouvoir intervenir sur ce ballon. C'est Fireburner qui remporte le duel. Fireburner encore une fois qui la pousse jusqu'au corner. Ça sera contré par Violent Panda. Oh, attention, Gareth G dans les airs qui va essayer de frapper. C'est cadré. K-Dub était là. Il y avait même un autre coéquipier, on est en place du côté de Dignitas, une minute à tenir et ils tiennent ce tournoi, cette compétition, cette victoire finale. C'est pas terminé, Gareth G, la frappe, il avait une opportunité malheureusement, la frappe est complètement dévissée. Turbo Pulsar qui a un peu de temps pour pouvoir servir Violent Panda. Violent Panda face à Fireburner, c'est Fireburner qui le remporte. Le petit crochet pour essayer de battre K-Dub, plus la position de contre. Turbo Pulsar vers le wall, K-Dub qui la reprend, la passer dans l'axe. Violent Panda qui a le temps normalement de pouvoir passer Gareth G. Justin qui va essayer d'y aller, très bon renvoi de la part de Justin, ça met en difficulté cette équipe, mais Turbo Pulsar a été bienvenu. Turbo Pulsar l'a passé faite, Gareth G qui temporise, attention c'est très dangereux, K-Dub qui tente de tirer, ce n'est pas cadré. Violent Panda qui vient essayer de mettre sa pression, Fireburner qui va pouvoir dégager. 35 secondes restantes et c'est toujours Dignitas qui met la pression sur le but nord-américain. Justin, allez, il faut sonner la révolte du côté d'Energy pour espérer rester en vie dans cette finale. Ouh, ça a gêné, malheureusement il n'y aura pas de possibilité d'ouverture. Ce centre de Justin, il y a du monde sur le backboard, c'était K-Dub qui repousse. Et Turbo Pulsar, le relais, on va repartir de son propre but. Gareth G qui se précipite, qui sera 10 secondes, Bashi. Fireburner au contre sur Violent Panda, c'est Violent Panda qui le remporte. Gareth G qui vient essayer de sortir cette balle du wall. Justin, le contrôle de balle, s'il arrive à passer, il a réussi à passer K-Dub. Par contre, Violent Panda qui tente de la dégager. Pour l'instant, c'est pas trop réussi, la passe dans l'axe et ça touche le sol. C'était un petit peu trop rapide pour son coéquipier Fireburner. Dignitas qui s'impose, qui remporte ce Northern Arena Rocket League Invitational. Ils n'ont fait qu'une bouchée de cette équipe d'Energy sur le score de 4 manches à 1. On va aller voir les images des champions. Ils sont là, ils viennent.